Une vie en millefeuille. J'aime ce gâteau, le millefeuille, comme ma vie. Cette vie est faite de tranches reliées entre elles par une délicieuse douceur. La première tranche, bien stable, me fait penser à mon enfance, couleur d'Afrique. Mais cette couche s'effrite vers le haut, adolescence de guerre, de violence, rupture brutale d'avec l'enfance. La couche suivante est un peu fade, étude, sortie de l'adolescence, pour arriver à une belle couche, espacée, où il y a de l'air. C'est l'époque des noces, de la maternité, du bonheur tout simple de vivre, d'être compagne, accompagnée et mère. Encore une couche où j'apprends à regarder les autres, à sentir les autres et à être présente au monde, à toutes ces couches me camper dans mes bases, mes pieds, mon bassin, à m'ancrer dans la vie, même si, n'oublie pas que tu voyages vers toi-même, quelque chose que tu ne connais pas. Encore une couche, celle-là est un peu triste, le décès de mon homme. Malgré cela, et finalement, ce gâteau est délicieux, et c'est si simple. J'étais tellement fière. 50 ans, un demi-siècle, ça mérite une fête, une belle fête, une grande fête. J'ai donc organisé cette fois-ci quelque chose pour moi, me mettre debout et le rester, être la reine de la fête. À 50 ans, il est temps d'oser. Qui dit anniversaire dit cadeau, et les cadeaux, ça me met mal à l'aise. Parce qu'on met les gens dans l'embarras. Il y a la question du budget et puis il y a la casse-tête du choix. Donc j'ai dit pas de cadeau. Le cadeau, ça sera vous, votre présence. Certains ont dit cadeau quand même. Ok, venez avec un billet de loterie. Mais le cadeau, ça sera l'emballage. L'emballage cadeau, imagination au pouvoir, à vous de jouer. Quel succès, mais qu'est-ce qu'on a ri, mais qu'est-ce qu'il y a eu de fantaisie. C'était une superbe diversité de cadeaux. Moi, je voulais 50 personnes pour mes 50 ans, et il y en a eu plus de 80. Et le cadeau a été abordable pour chacun. Chacun son budget. Puis je me suis dit, mais mon cadeau à moi, de moi pour moi. J'ai beaucoup cherché, puis je suis arrivée à une vie de rêve. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je mets dans cette vie de rêve? Alors j'ai continué à chercher et je me suis dit, faire ce que je veux quand je veux. Après, je me suis dit qu'il ne fallait pas avoir 50 ans pour avoir une réflexion d'ado. Donc j'ai mis en route la baguette magique que j'ai dans la tête et j'ai mis tout et n'importe quoi. Petit à petit, je me suis rendu compte que dans le vrac de tout ça, il y avait des choses réalisables. Oui, tout à fait réalisables. Puis je me suis souvenue de cette fameuse liste que j'ai souvent à côté de moi, la liste de mes envies mises en attente. Ah, si j'avais pas école, je ferais ça. Si j'avais pas de parents, je pourrais faire ci. Pas de mari, pas de travail, on pourrait faire tout ça. Mais on peut pas, en attente. Et en final, pour mes 50 ans, je me suis offert le temps. Je me suis mise en disponibilité totale. Célibataire, les enfants sont grands, pas de télé et le chômage en échange de bénévolat. J'avais 24 heures pour moi, faire ce que je veux. Et maintenant, il me faut un agenda pour gérer le temps. En 360. Trois mariages forcés et un enterrement. Quand je l'ai rencontré, au cœur de mon décolleté, un bouton de rose il a glissé. Puis, dans mon ventre, a accroché un bébé. Aux études, non diplômée, pas question d'assumer. Il m'a forcé à avorter, seule,
muni de sondes dans un local sordide, désaffecté. Septicémie, infecté, la faucheuse m'a épargné. Papa apparut courroucé. Vous devez l'épouser. Je voulais le quitter. Décembre 68, nous étions mariés. Pas question de l'aimer. Il ne veut pas me lâcher. En septembre est né mon premier bébé. Impossible de continuer. En 73, un amant sicilien, homme marié, écrivain, acteur chevronné, me donne une fille que j'ai gardée, prête à seule l'assumer. Mon mari a fermé les yeux, ignoré mon infidélité. J'étais toujours coincée. Alors le torchon a brûlé. Les amants se sont succédés. Il m'a fait suivre par un détective privé. Flagrant délit, accusé. Il devait me lâcher. Toujours mariée, j'ai déménagé. Mes deux filles lui sont restées. Tous les torts m'étaient reprochés. Au Pérou, j'ai voyagé et connu une merveilleuse histoire d'amour. Pourtant, je suis rentrée pour mes filles adorées. À la Quétinmi de Boisfort, j'ai rencontré un personnage étrange avec lequel j'ai décidé d'avoir un enfant. En 80, mon fils est né, portant le nom de mon premier mari, qui refusait toujours de divorcer. Il avait 2 ans quand enfin, il a accepté de désavouer la paternité. Et il a divorcé. Le fils a porté mon nom, mais les parents voulaient que le nom de leur fils lui soit donné. J'ai donc dû l'épouser pour qu'il puisse l'adopter. Le temps a passé, je lui ai échappé, chacun vivant de son côté, je l'ai quitté. Et rencontré un jeune péruvien. La police le ramenait à la frontière. Amoureuse, seule solution, l'épouser. Ça n'a pas duré. Ma fille Valérie s'est mariée. Son père lui avait légué des tares dans l'ADN, bien lové. Ses enfants portent le gène de la myopathie de Duchenne. De plus en plus handicapés, au fauteuil, ils sont condamnés, complètement dépendants, pour manger, se laver, pour respirer. Esteban est mort le 3 juillet de cette année. Il a vécu 25 ans. À l'extrémité d'un rayon de mon soleil, perle une larme d'eau glacée. C'est le miroir d'Esteban qui dort pour l'éternité. Silence. Je n'aime pas de portée de costume. Ça me rappelle les funérailles, comme le silence. Le silence grandit comme un cancer entre les gens. Les silences insupportables, les silences de la mort. Qu'est-ce qui est plus silencieux que les silences? Le silence entre les mots. Le silence du burn-out, le silence entre le gagnant et le perdant, le silence et les bombes et la violence atomique. En silence, une marche mondiale contre les guerres. En silence, une école mondiale de paix pour les dirigeants du monde. Le silence n'est pas dictatorial. Le silence ne juge pas, ne classe pas. Le silence naît en voyant un paysage, en silence jouissant librement de son genre. En silence, on peut penser. En silence, on peut relativiser les choses. En silence, on ressent les remous les plus profonds de son être. En silence, les cultures naissent dans tous les domaines de la vie. En silence, les civilisations naissent dans tous les coins du monde. En silence existe la coopération positive des nations. En silence, les religions coopèrent.
En silence, nous éduquons de manière prospective pour un meilleur monde. En silence, nous relevons le défi de respecter la nature et le climat. En silence, les progrès de la science et des connaissances sur l'être humain sont grandioses. En silence, nous œuvrons pour une information réelle. Le silence ne parle pas, mais écoute. Le silence est la paix. En silence, on peut penser. Le silence est sage. Quand un vieil homme se tourne vers l'infini, à ce moment-là, un silence ardent s'installe, un silence sans fin. Silence. Le théâtre m'a sauvée. Suite à un atelier d'initiation de théâtre, je me suis inscrite à l'académie, démarche plus ludique et moins onéreuse qu'une thérapie. Bien m'en a pris. J'ai eu la chance d'avoir un professeur exceptionnel. C'était pas facile de me donner cours, car j'étais d'une timidité maladive. J'ai bien changé sans être pour cela extravagante ni bruyante. Deux extraits de texte à se partager pendant 3 quarts d'heure par semaine entre 2 à 5 personnes. Et un atelier le samedi pour travailler une pièce entière. Tous les jours dans le métro, je répétais mes répliques intérieurement, avec mon texte en main. Parfois, je croisais le regard d'un passager assis en face de moi. Je devais sûrement faire des mimiques, telles que surprise, effroi, stupidité. Je prenais alors un air innocent et rebelote. Aujourd'hui, avec les smartphones, j'aurais plus facile. J'avais demandé des rôles de femme dynamique. Dans Transfert de femme, j'ai dû travailler ma voix, la rendre plus grave et agressive, car j'avais le rôle d'une matrone. La pièce raconte l'histoire de prisonnières envoyées par bateau à l'étranger. Pour le spectacle, on avait loué des barreaux qui nous montraient enfermés, enchaînés et édentés. Il y avait une prisonnière particulièrement rebelle qui s'attaquait aux gardiens. Elle nous revenait ensuite, soit fouettée, placée dans un tonneau. La nuit, nous étions couchés en rang comme des sardines. Voilà l'entracte, rideau. Sur le dos, elle battait des bras, n'arrivant pas à se relever. Il fallait l'aider. Elle me faisait penser à une coccinelle retournée qui pédalait dans le vide pour se retourner. Dans les coulisses aussi, c'était tout un spectacle que seuls les comédiens peuvent vivre. Vite se changer, arriver au bon moment, c'est-à-dire ni trop tôt ni trop tard. Bref, une attention constante. Le plus dur, c'était sur scène, avant que le rideau ne se lève. Panique. Je ne savais plus mon texte, le vide, et puis miracolo, et place à la scène. Parfois un trou de mémoire. Avec les années, j'ai appris à accepter les souffleries du professeur en coulisses. Le principal est de participer et s'amuser. Ik wil jullie iets vertellen over mijn moeder. Mijn moeder was 92 toen ze naar een bejaardenhuis ging en dat was haar eigen keuze. Ze heeft zelf haar auto genomen en ze heeft zelf gekozen waar ze wilde terechtkomen. Wij dachten, dat gaat niet lang duren, maar mijn moeder was koppig. En mijn moeder heeft 6 jaar in het rusthuis geleefd. Op het einde van die 6 jaar, toen was ze 99,5, dat al een prachtige leeftijd was, is ze plots overvallen door een hart dat niet meer wou. Haar hart begon stil te kloppen, langzaam te kloppen. En dat maakte dat zij niet meer uit haar bed kon.
Dat vond ze verschrikkelijk. Mijn moeder was slecht te been, maar met een rollator en heel veel wilskracht kon ze zich toch nog altijd verplaatsen. Maar toen niet meer. En na een week riep ze mij en ze zei: wil je de dokter roepen? Natuurlijk, ik heb de dokter geroepen. De huisarts kwam, de huisarts die haar al meer dan 30 jaar kende. En ze zei tegen hem: ja dokter, het is genoeg geweest, ik wil euthanasie. Ik had het voelen aankomen, maar ik was vooral heel trots dat zij dat durfde uitspreken. De dokter was blijkbaar al op de hoogte en heeft zich helemaal niet verzet. Er is een kort gesprek geweest en hij heeft daar toen de procedure uitgelegd die wij kennen om de aanvraag naar euthanasie te realiseren. Er moet een speciaal een dokter komen, een lijfarts. En die dokter is dan ook gekomen en die heeft opnieuw aan mijn moeder gevraagd van: mevrouw, is u wel zeker dat u dat wenst? Want binnenkort bent u 100 jaar en dat wil u misschien niet missen. Waarop mijn moeder zei: nee, ik heb nooit 100 jaar willen worden. Dus laat het maar zo, ik ben zeer, zeer zeker. En dat was zij ook. Voor haar was haar leven afgerond en wou zij niet afhankelijk zijn van de verpleging, vooral om naar het toilet te gaan en dergelijke dingen meer. 14 dagen later, op een zonnige zaterdagmorgen, zijn haar 5 kinderen bij haar gekomen. Tevoren hebben al haar kleinkinderen en de achterkleinkinderen nog even een bezoekje gebracht om afscheid te nemen. Maar het ultieme moment waren alleen haar kinderen en haar schoonkinderen daar. Zij is gegaan met een glimlach. En wij hebben ook geglimlacht. Want dat was wat zij wou. Een rustige dood. Met rond haar de mensen die haar graag zagen. En zij is vertrokken met een glimlach en een handgewuif. Zo'n dood wil ik ook. Het geluk begint bij jezelf. Met een knal op de wereld komen. Minder plastisch kan het niet bij mijn geboorte. Op een binnenschip in volle oorlog. Schuilen in een schuilkelder die omvergeworpen wordt door een bom die ernaast inslaat. Jaren later huppelend door het gras, het schip volgend van sluis tot sluis. Op reis naar nieuwe oorden. Op mijn 6, hop naar school. 11 jaren kostschool. Nadien terug bij het gezin, bij ouders, broers en zus. Het gezin wordt me te klein. Na aarzeling trouw ik mij een schipper. Niet zo'n avontuurlijke als mijn vader. Mijn man is van de ouders tempel. Taken netjes volgens tradities verdeeld. Heel dikwijls spring ik van schip op zoek naar verhalen. Ik verhuis, alleen, naar een kamer in de stad. Toevallig recht over een kunstgalerie. Deze wordt mijn tweede man, samen begint onze wereldreis. Leven in Amsterdam, Marokko, de Provence, New York, Italië, Parijs. Deze kunstenaar, ik assistente, zorg voor een thuis. Duidelijk, het kunstzinnige maakt deel uit van mijn DNA. Boetseren, bezig zijn, het bevalt me meer en meer. Academie, installaties, altijd sociaal geëngageerd. Armoede, vluchtelingen, liefde. Mijn liefdes zijn ondertussen overleden. Het verdriet is er nog, maar het talent om gelukkig te zijn ook. Het leven is één grote reis. En de reis is voor iedereen anders.